que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Là on est vendredi après-midi, il est 3h30, je vous prends plutôt juste rapidement parce que je voulais inclure un petit peu ce vlog. En fait Kayla aujourd'hui était à un stage de foot, j'avais la possibilité de l'inscrire parce que Kayla on fait du foot vous le savez, mais pendant les vacances les cours s'arrêtent et du coup on a possibilité de les inscrire à des stages ou pas si on veut. Donc il y avait la possibilité qu'elle ait un stage toute la semaine, donc du lundi au vendredi et 2 jours encore la semaine suivante. Moi j'ai préféré la mettre seulement 3 jours cette semaine et pas du tout la semaine prochaine. Mais déjà pour pas que ça lui fasse trop et pour passer un peu de temps avec elle aussi parce que c'est les vacances et du coup d'habitude je bossais aux vacances donc j'avais pas spécialement le temps de faire des activités avec elle et tout ça. Donc là j'aurai un peu plus le temps d'en profiter. Alors du coup elle est allée en stage mardi. Mercredi on est allé à la piscine avec ma maman, mon frère, une amie, Julie si tu passes par là parce que je sais qu'elle regarde mes vlogs, avec ses 2 enfants. Et du coup voilà, on a passé mercredi l'après-midi là-bas, c'était top. Et du coup jeudi et vendredi Kayla est retournée au stage de foot. Donc là il est 3h30, à 4h30 je décolle pour aller la chercher. Et ce soir là ça va être la course, qu'il faut que j'aille la chercher elle, que j'aille chez son frère, que je les ramène à la maison rapidement. Et puis moi après je m'en vais, je les laisse au papa, c'est lui qui va s'occuper d'eux ce soir. Et moi je vais à la soirée Sephora parce qu'il y a la soirée Gold. Pour celles qui ont la carte or, c'est une soirée où il y a quelques petits ateliers, tout ça. En règle générale, c'est plutôt sympa. Donc j'y vais avec ma maman. Donc c'est pour ça, je vais vous filmer un petit peu quelques images là-bas, je pense. Et voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ce que c'était. Le programme du week-end, en fait, pas grand-chose. Moi, j'ai prévu de faire un peu de tri. J'ai prévu de faire des activités avec les enfants. Voilà, rien d'extraordinaire, mais je pense qu'on va rester à la maison. En fait je vais profiter d'avoir une heure et un petit peu moins parce que là je prends un petit peu de temps pour vous parler. Mais on va dire 3 quarts d'heure de tranquillité parce que je viens de tout ranger, j'ai préparé le repas pour ce soir. J'ai filmé une vidéo que j'ai montée et que j'ai mis en ligne pour demain. Mais pour vous du coup vous l'aurez eu avant celle-ci, donc pour samedi dernier. Et du coup là j'ai un petit peu de temps donc je vais jouer à mon nouveau jeu. C'est Mario sur la Switch. C'est pour ça que j'ai acheté la Switch, juste pour ce Mario là. Bon, pas que pour ça, mais en grande partie pour ça. Donc j'avais vraiment hâte qu'il sorte et il est sorti aujourd'hui, donc voilà. Je vais jouer un petit peu, puis après je go, parce que ce soir ça va être le speed avant la soirée. Bisous, à tout à l'heure. On se retrouve, là je suis dans la voiture, je viens d'arriver au foot, donc pour récupérer Kayla. Pour vous dire la vérité, j'ai pas eu le temps de jouer 45 minutes, ma console n'était pas chargée. Du coup je l'ai chargée, et en fait j'ai pu jouer 10 minutes, et puis j'ai dû partir. Ouais, bon, c'est pas très grave. En attendant j'ai regardé les vidéos YouTube et je suis à jour. C'est parce que je suis tellement de monde en fait sur YouTube que c'est dur de regarder toutes les vidéos et puis en plus beaucoup sont intéressantes. Et après il y a les vlogs quotidiens des mamans que je suis et que j'aime bien, voilà, ça m'embête de les rater. Du coup voilà, donc j'en ai profité pour regarder mes vidéos YouTube. Il fait chaud, mais il fait chaud. Le temps est complètement détraqué chez nous. Le matin il fait froid, mais froid. Bon froid. Que pour les gens du Nord il fait pas froid le matin ici chez nous, mais bon. Et moi je trouve qu'il fait froid le matin et l'après-midi il fait une chaleur. Le matin je pars limite avec le manteau et l'après-midi on a un t-shirt quoi. Donc voilà. Voilà, je vais récupérer Kayla et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Les amis, on se retrouve, il est 11h du soir, je viens de rentrer du coup de la soirée Sephora. Je vous ai filmé quelques images mais j'ai pas pu trop filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde. Les soirées Sephora c'est pas mal mais c'est pas extraordinaire non plus, c'était sympa parce que vous avez des stands mais vous avez tellement de monde qu'il faut tout le temps attendre, donc c'est ça qui est un peu embêtant. Donc on a fait le stand pour se faire les ongles, du coup j'ai fait cette petite couleur là, ça vient de chez Dior, il est très joli. Et après je me suis fait maquiller, douce ce visage maquillé à fond, mais voilà j'aime bien. Après ça change clairement, je me maquillerai pas comme ça tous les jours mais c'est sympa.
Et en fait, Dessous les yeux m'a utilisé un produit que je ne connaissais pas et qui a super bien fonctionné sur mes cernes. Parce que moi, je pense que vous le voyez dans mes vlogs, j'ai toujours de très grandes cernes. C'est pas forcément dû à la fatigue, en fait, c'est que j'ai des cernes naturelles. En fait, mes yeux sont comme ça. Que je sois en forme ou pas, ça change pas grand chose. Ça peut les accentuer, c'est tout. Mais j'en ai dans tous les cas. Et du coup, elle m'a mis un produit de la marque BK. C'est le Cache Cernes Illuminateur. Et ça a fonctionné hyper bien. Voilà, encore, voilà. J'ai transpiré, il faisait chaud, on est parti manger, il y a eu quelques heures qui sont passées. Mais franchement, le make-up a plutôt bien tenu. Elle m'a surtout fait les yeux, la bouche elle me l'a pas fait. Elle a fait le teint, mais surtout les yeux. Alors, je trouvais ça joli, mais surtout j'étais contente qu'elle ait réussi vraiment à bien masquer mes cernes. Voilà, après on allait manger dans une brasserie à Odessa. C'était très bon, je mangeais du magret avec des frites. Ma mère a pris un tartare de saumon et les copines elles ont pris quoi? Tartare de saumon et magret aussi. Voilà. C'était très bon et c'était pas très cher. Je me rappelle plus du nom du restaurant. C'est en face du mur là où il y a l'escalade en fait. À Odessa pour ceux qui connaissent Montpellier. Voilà, c'était top. Donc voilà, là il est 11h. Je suis un peu fatiguée. Ça me fout un peu les boules de me démaquiller parce que j'aime bien ce maquillage mais je vais pas dormir avec tout ça sur le visage. Donc je vais me démaquiller. Je suis allée me coucher, je vais peut-être jouer un petit peu à mon jeu parce que du coup j'ai pas eu beaucoup le temps de jouer cet après-midi. Je sais pas, soit je vais faire ça, soit je vais lire, on verra, mais en tout cas je vais pas tarder à dormir parce que il faut que je tienne le rythme parce que le matin, moi les journées commencent très tôt avec les enfants, même en période de vacances. Hein. Et voilà, mais c'était vraiment une super bonne soirée, voilà, c'était histoire de passer un moment entre filles, c'était très sympa, j'étais très contente, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est très important, les filles, que vous me regardez. Si vous ne prenez pas le temps de voir vos amis ou voir même votre famille, parce que moi j'étais avec ma maman hein, et des copines, mais du coup, voilà, prenez le temps de voir vos proches et de passer du temps que pour vous. Parce que des fois, on est en couple, on est maman et puis on oublie tout le reste. Et puis, c'est important de ne pas s'oublier soi-même. Moi, je vous laisse, il n'y a plus de batterie. Hein. On se retrouve demain. Re, les amis, on se retrouve, on est samedi matin. Il est 10h. Ouais, il est 10h. Ça fait un bon moment que je suis réveillée. Je crois que je me suis levée à 8h. C'est Kayla qui s'est réveillée en premier qui est venue me réveiller. Et puis Aaron a suivi comme d'habitude. Donc voilà. Plutôt bien dormi. Là, les petits sont en train de jouer. Ils ont déjeuné. Ils ont regardé un petit peu les dessins animés ce matin. Je vais vous montrer avec quoi Kayla joue. Moi, qu'est-ce que j'ai fait là, je vais juste déjeuner maintenant. Parce que depuis ce matin, j'ai rangé la commode de Aaron, j'ai enlevé tous les trucs d'été, les bodys d'été, les pyjamas frais, enfin, j'ai tout viré. Et j'ai laissé que les trucs verts, parce qu'il commence à faire froid. Et j'ai changé la méthode de pliage pour les pantalons, parce que les pantalons étaient dans un tiroir. Et du coup, ça prend beaucoup moins de place, comme ça, je vais vous montrer. Alors normalement, dans ce pantalon, il y avait... Dans ce pantalon, n'importe quoi. Alors normalement dans ce tiroir là il n'y avait que les pantalons, vous savez, me plier de manière classique et ça me remplissait absolument tout le tiroir. Le fait de les avoir roulés de cette manière, la méthode Marie Ngondo là que j'avais lu dans le bouquin, ben voilà, ça prend limite un peu moins de la moitié de place quoi, parce qu'en fait voilà, ça occupait tout ça. Et du coup, vu que j'avais de l'espace de libre, j'ai profité pour mettre les chaussures d'Aaron ici. Enfin, en tout cas, les chaussures qu'il met le plus souvent. Parce qu'elles sont dans l'armoire qui est fermée. Et voilà, c'est plus pratique pour les voir tout simplement. Quand je prends le pantalon, ben, je regarderai la paire de chaussures qui va avec. Et là-haut aussi, voilà. Donc j'ai tout, voilà, j'ai mis tous ces pyjamas d'hiver. Là, c'est tout ce qui est ces bonnets. Là, c'est les bodys à manches longues, les chaussettes. J'ai gardé quelques bodys à manches courtes au cas où, quand on ait encore des belles journées. Là, c'est tout ce qui est petit bavoir, genre foulard. Et là, c'est des pantalons de jogging qui peuvent faire pyjama aussi au cas où, ben, jour, on a un pantalon de pièce qui se salit, ben, il y a notre bas ici. Voilà, donc j'ai fait ça ce matin. Alors, on a joué au puzzle. Lui, il n'a pas rangé d'ailleurs. Donc, je vais voir avec Kayla pour qu'elle l'aide à ranger. Kayla, elle est en train de jouer avec l'appareil photo. Attends, tu me le montres, mon cœur? Kayla, viens ici, s'il te plaît. Kayla, tu me le montres, l'appareil? De l'autre côté, de l'autre côté. C'est Play School qui fait ça. C'est bon, c'est bon. C'est un appareil photo pour les enfants. Ça fait 2-3 ans, je crois, que Kayla l'a. Il a une fonction rétroprojecteur. C'est avec ça que Kayla joue. Et en fait, ça fait 2-3 ans qu'elle l'a, mais qu'elle n'y joue pas. Parce qu'elle avait. Elle a joué. Attends, elle a joué. Je vous disais, ça fait 2-3 ans que Kayla l'a, mais elle n'y avait jamais joué. Ou une seule fois. Parce qu'en fait, elle. Oula, la lumière.
parce que ben, tout simplement une fois qu'elle avait usé les piles, je ne lui avais pas changé, je l'avais mis de côté. Du coup voilà. Donc là j'ai retrouvé parce que hier j'ai trié le dessus de mes armoires. Ah c'est rigolo. C'est toi. C'est rigolo. En ouais. Tête de dragon. Ah ouais. C'est moi en tête de dragon. Je vous disais donc que j'ai commencé un défi, le défi de 30 jours pour que sa maison soit propre comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est une image Pinterest je crois, je sais plus. Enfin bon, je vous mettrai le document en bas. Et du coup chaque jour on fait une petite chose dans la maison. Donc en fait j'ai commencé avant-hier, donc avant-hier c'était faire tous les dessus des armoires. Alors autant vous dire que chez moi c'était très compliqué. Mais je l'ai fait, et hier j'étais censée faire dessous les lits, sauf que hier j'ai pas eu le temps, donc je vais le faire aujourd'hui, mais voilà, c'est pas très grave, mais je vais vous montrer. Si vous me suivez, vous savez que normalement en haut de cette armoire, il y avait la pyramide égyptienne de Kaela que j'ai vendue, avec son accord, et il y a une caravane de Barbie, que Kaela m'a dit ok pour vendre, donc du coup je l'ai enlevée, et il y aura juste la maison de Dora, donc il restera juste un truc, mais je vais plus le mettre en haut, je vais lui trouver une autre place, parce que je voudrais que voilà, cet espace soit complètement vide, soit juste avec peut-être son château de princesse qui est là, je vais peut-être le mettre là-haut, on verra, mais je veux pas l'encombrer comme j'avais fait avant. Et j'ai fait aussi le dessus de ces deux armoires là. Alors c'était à peu près comme ça, sauf qu'il y avait beaucoup de choses en fait, à chaque fois je mettais des trucs là, tout ce qui traînait par terre en fait je les mettais hop en haut de l'armoire pour pas que le petit les mange, mais du coup j'avais plein de bordel, enfin c'était vraiment, donc du coup j'ai tout nettoyé, tout rangé, et puis j'en ai profité pour faire la poussière des Playmobil, parce que le souci là c'est que ben, ça prend quand même la poussière, donc voilà, je pense que je vais essayer de trouver un truc transparent pour les protéger, parce que ça m'embête, mais voilà, du coup j'ai fait ici aussi, et la dernière armoire, alors c'est pas vraiment une armoire, hein, mais ça fait partie des meubles qui y ressemblent, et là dessus c'est pareil, j'avais plein de choses, j'avais mon mixeur que j'ai trouvé une autre place, j'avais mon robot de cuisine que j'ai placé ailleurs aussi, et puis j'avais plein de bricoles que j'ai triées et tout ça, et au final j'ai réussi à tout vider, et je trouve que c'est juste beaucoup mieux comme ça que d'avoir un truc hyper encombré. Enfin voilà, bon après il faudra que je fasse dedans l'armoire, hein, mais petit à petit. Voilà, là j'ai mis le robot mixeur parce que c'est pas un truc que j'utilise non plus tous les jours, mais j'utilise régulièrement, donc j'ai facilement accès. Et j'ai mis tous les trucs de la pâtisserie, le fouet, la balance et le tapis en silicone, etc. Dans le même placard pour que ça soit plus pratique. Et dans ce meuble là, j'ai mis tout ce qui était robot mixeur, il manque que la base qui est en fait en bas. Et ensuite, donc là c'est tout ce qui est couvert de bébés, d'enfants. Et là vous avez la base du mixeur. Bon alors c'est pas le plus pratique pour le sortir, mais voilà, c'est là où j'ai trouvé pour le mettre pour l'instant, on verra plus tard. Et j'ai encore un peu de place au fond, donc on verra. Là c'est mes poêles, mes casseroles, et là j'ai mis mon grille-pain qui était aussi là-haut. Et mes dessous de plat. Donc voilà, je suis plutôt contente de l'organisation. Après, clairement j'ai pas fini, j'ai encore pas mal de tranches à faire dans la cuisine, mais voilà, petit à petit ça avance. Là je sais pas, je pense que je vais, ah oui je vais déjeuner, je me suis fait chauffer mon chocolat, je l'ai oublié dans le micro-ondes. Tout va bien, donc là je vais déjeuner, je vais regarder des vidéos YouTube et puis après je vais sûrement faire le dessous de mon lit, comme ça je suis tranquille. Et puis voilà, peut-être si j'ai le temps je jouerai un petit peu tout à l'heure, parce que j'ai joué un petit peu à Mario, il est super beau, j'essaierai de vous le filmer quelques images, mais il est trop trop beau ce jeu. Voilà, à tout à l'heure. A vu la lune. Très bien, mon cœur. La le li lo lu. La lo le li il. Non, c'est li, t'as raison. Lo lu. C'est ça. Le lit. Le livre. C'est bien. L'école. La lune. Il vit. Non. Lit. Oui. Amis, on se retrouve, il est 7h, c'est l'heure du repas. Alors oui, on mange tout à la maison, mais c'est parce que Aaron est très fatigué, donc du coup je vais le faire manger avant de le mettre au lit.
Donc ce soir c'est... est-ce que vous verrez bien? Je me rappelle ce que tu avais dit il y a longtemps. Ce soir c'est poulet et riz au curry. Maman? Oui mon cœur. Il y a très longtemps tu m'avais dit qu'on mangerait que des légumes ce soir. Ouais je sais, pas ce soir. Mais demain on mangera des légumes, d'accord? Ce soir. C'est bon Aaron? C'est bon? Oui. Mmh. Ouais, Aaron est très fatigué donc il va aller au dodo tôt ce soir le bébé. Ouais. Il a pas fait une grosse sieste après-midi, c'est pour ça. Et Kayla, elle est en train de jouer à Mario Odyssey. Je lui ai prêté un petit peu, je lui ai fait une partie et elle se débrouille bien, elle est au premier niveau. Tu aimes bien? C'est cool. Moi j'ai joué pas mal aujourd'hui et du coup j'ai eu un peu mal à la tête donc voilà. Là il était temps que j'arrête. Voilà. Donc on va manger. Re-coucou les amis, on se retrouve, il est un peu plus tard, il est 8h30. Jordan vient d'arriver à la maison parce que je le garde ce soir. Ma mère est allée faire un petit resto avec mon beau-père. Et du coup je pense qu'il va rester dormir parce que c'est déjà tard et que va pas venir le réveiller après. Donc voilà, je préfère le garder toute la nuit. Et Aaron lui s'est couché à 7h. Il était crevé après manger, je l'ai mis dans le lit, il a dormi directement. Il était vraiment KO aujourd'hui hein. Donc bon, je pense qu'il va se lever tôt quand même demain matin forcément. Mais bon, Kayla elle voulait aller aussi se coucher, elle commençait à fatiguer. Mais vu qu'on attendait Jordan, elle attendait Jordan. Et là je les autorise à jouer 5-10 minutes quoi, jouer un petit peu ensemble avant qu'ils aillent au dodo. Et puis moi je me suis mise devant ma série Teen Wolf, j'en suis à la saison 4. Ouais. Et je me régale, ça m'occupe, ça me permet de me reposer. Et puis voilà, je pense que je vais sûrement m'endormir demain. Donc ben, on se retrouvera demain pour la suite du week-end. Aaron il fait dodo mon cœur. Ah non, oui. Il est qui? Il fait dodo déjà. Tu le verras demain matin un truc. Bonne santé. C'est moi le docteur et lui c'est le papa. Je suis la maman et... T'es la maman docteur? Non, je suis docteur et maman. Ah d'accord. Et aussi je suis la sœur quand je vais grandir et le bébé. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est dimanche matin. Il est très très tôt, il est 6h30. Et en fait les enfants sont levés depuis 5h30 du matin. Ouais, parce qu'on a changé d'heure cette nuit. Et le problème c'est que moi ils sont réglés comme les horloges. Donc du coup forcément d'habitude ils se lèvent entre 6h30 et 7h. Bah là ils se sont levés à 5h30. Tu viens maman? Viens maman. Je vais te voir. Viens maman. Oh. Coucou. Non. Ce fut court. Et oui, donc je vous disais, aujourd'hui, bon, rien d'extraordinaire de prévu. Séjourne à la maison, moi je vais faire un peu de tri. Je pense d'un placard, un truc comme ça, histoire d'avancer un tout petit peu. De toute façon, je me suis endormie devant la télé. Devant Teen Wolf. Donc voilà, et finalement, je vous ai même pas dit, mais Jordan était venu dormir à la maison, mais finalement, il n'a pas voulu dormir. Et il voulait pas dormir, il a pleuré, il voulait sa mère et du coup bah, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit et elle est venue me chercher après le resto. Donc il est reparti. Donc elle est un peu déçue ce matin du coup mais bon, c'est pas grave. Comme je lui ai dit on va jouer aujourd'hui, on va faire d'autres jeux. Hier on a joué déjà, je vous ai filmé un petit peu mais bon voilà, on profite des vacances pour s'amuser. T'as gâché le doudou? Assieds-toi mon cœur. Il est où le doudou? Il est où? Il habite derrière l'oreiller. Ah, il est là? Bravo! Le pyjama Caron, il lui va trop petit. Mais en fait, il adore. Il veut tout le temps le mettre. À chaque fois que... Parce que je le fais choisir ses pyjamas. Et à chaque fois, il veut mettre celui-là. Du coup, je ne l'ai pas encore enlevé. Aaron, non, 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 ça, non! Stop! Il faut pas toucher ça, mon gars. Ça peut tomber sur toi. Mm. Ouais du coup voilà, donc du coup j'ai pas encore rangé ce pyjama mais il est trop petit pour lui normalement. Il est où le doudou? Mais prends-le. D'ailleurs je vous ai pas raconté aussi, Aaron il m'en a fait une hier après-midi. Aaron il aime bien en ce moment enlever la tétine de ses biberons et la faire tomber dans son biberon. En sachant que son biberon bah, y a du lait dedans. Et du coup en fait il m'ouvre complètement le bib et il me le renverse partout. Et du coup il m'a fait ça sur mon lit hier. Du coup j'ai dû nettoyer tous mes draps, le laver à lui et tout ça, c'était cool. Bon, c'était hier après-midi. Hein. J'ai pas pensé à vous raconter mais c'était pas mal aussi. Tu fais
fais quoi là? T'es en train de me démonter le canapé? Maman! Quoi? Maman! Bravo! On a enlevé les coussins et il danse. Il danse. Je me suis mis à côté pour le rattraper au cas où. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Maman! Oui? Maman! Quoi? Maman! Quoi? Maman! Oui, c'est le dessin animé, oui. Attention, radio, bébé. Radio. Gâteau. Gâteau? T'as déjà eu ton gâteau, toi? Ben oui. Gâteau. T'as eu déjà ton gâteau. Tu veux ton, tu veux du lait? Tu veux ton biberon? Non. Tu veux ton biberon, Aaron? Non. Non. Bon. Recoucou les amis. Quoi? Il marche plus, il n'y a plus de pile, je crois. Il n'y a plus de pile. Je changerai de pile. Il est mignon. Non, le gros, il est trop gros. Tout à l'heure, je te le donnerai, d'accord? Tout à l'heure. Bon, attendez. Hop. Voilà. C'est bon? C'est quota? C'est quota. Hop. Tiens. Non? Ah, le gros, je le laisse? D'accord. Voilà. Donc. Voilà. J'essayais de vous dire donc que je viens. Je viens de me laver. En fait, j'en ai même profité pour me prendre un bain. Là, il est 8h un peu passé, je pense. Peut-être même presque 9h. J'ai profité en fait de me prendre un bain. Kayla s'occupait d'Aaron. Enfin, en tout cas, la surveillante jouait avec lui. Ils étaient dans la chambre de Aaron. Comme ça, je les avais en face de la salle de bain. J'avais laissé les portes ouvertes. J'ai pris mon bain, je les pouvais les voir. Et puis, ça m'a permis de prendre un moment pour moi. Je me suis lavée. Je me suis lavé les cheveux, je me suis fait un masque au visage. Et surtout, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'une fille que j'adore. Enfin, d'une femme plutôt. Tu veux parler toi aussi? Non? Mais tu fais quoi là? Donc, je vous disais, j'ai regardé une vidéo. Ça va être compliqué avec Aaron. Coquin. J'ai regardé la vidéo d'une femme. Attends mon cœur. Attends mon amour, 2 minutes, d'accord, je parle, ok? 2 minutes, d'accord? Chut. D'accord. Ok. Ok. J'ai regardé la vidéo d'une femme. Tu fais exprès. Elle est la chatte. Ta chatte? Vas-y, va la chercher. Va chez ta fille, après tu reviens. Mais... va chez la sucette. Je sais pas où tu l'as mis. Mais... non, elle est pas là. Elle doit être à la salle à manger. Tu l'avais ce matin. Oh, non. Je reviens. J'étais en train de vous dire que j'avais pris un bain. Et que du coup, pendant mon bain, j'ai regardé sur mon téléphone. Du coup, il y a une personne que je suis, que j'aime beaucoup. Sa chaîne, c'est The French Way. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une femme qui est hyper intéressante. Elle parle de make-up, elle parle d'alimentation, elle parle de sport. Il faut que je parle. Attends mon cœur. Tiens. Fais dodo. Et du coup voilà, elle a fait une vidéo sur la confiance en soi par exemple, qui est vraiment super. Enfin, plein de vidéos de ce style là qui sont très intéressantes. Récemment elle a fait une vidéo sur le relationnel aussi qui est top. Et là du coup elle faisait une vidéo pour répondre aux questions qu'elle avait eues sur la vidéo du relationnel. Et du coup pareil, elle donnait plein de conseils, elle faisait partager son, enfin, une expérience un petit peu. Enfin, je trouve que voilà, c'est une femme qui est hyper enrichissante et je me régale de regarder ses vidéos. C'est la seule personne que j'arrive à regarder pendant une heure et demie, voire 2 heures d'affilée. J'adore. Donc voilà, si vous la connaissez pas déjà, parce qu'elle est quand même un petit peu connue, même si j'ai pas beaucoup entendu parler d'elle, moi c'est par hasard que je suis tombée sur sa chaîne. Et franchement, voilà, elle fait super contenu, très intéressant. Bon, ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais voilà, je trouve qu'elle gagne à être connue vraiment. Donc voilà, la bébé est un peu fatiguée, je vais m'occuper un peu de lui. Et là, elle a eu droit à son iPad du jour. Et puis après à manger, je crois qu'il reste du riz d'hier.
Donc je vais voir pour faire une petite viande à côté. Et surtout je pense que je vais leur faire un truc pour ce soir, comme ça je suis tranquille pour ce soir, j'aurai pas à faire à manger. Bon, je pense que je vais... Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Moi je pense que je vais aller déjeuner un morceau dès que j'aurai mis Aaron à la sieste. Normalement il fait pas de sieste le matin, mais bon, aujourd'hui avec le décalement d'horaire, c'est pas très grave. Ciao. Ciao. T'as dit ciao. Miaou. Ciao. Enlève la sucette. Ciao. T'as dit bye bye. Dis bye bye. Bye bye. Bye bye. C'est bien mon cœur. Bye bye. Mais on n'entend pas avec la sucette. Il faut parler sans la sucette. Faut parler sans la sucette, sinon on comprend pas. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Ouais, les amis, on se retrouve, il est 11h. Et en fait, on a déjà tous mangé. Aaron est déjà à la sieste. Donc ouais, on a mangé à 10h30. Parce que, à cause du décalage horaire, le problème c'est qu'Aaron lui est réglé. Et il mange d'habitude à 11h. Et du coup, à 10h, il avait faim. Donc j'ai réussi à le faire patienter jusqu'à 10h30. Mais bon, voilà. Du coup, on est tous un petit peu en décalé à cause de ce changement horaire, mais bon, quelques jours ça sera réglé. Moi j'en profite que Rita à la sieste pour jouer un petit peu à mon jeu. Et moi. Après... Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas jouer avec tes bonhommes? Non. Tu vas faire quoi? Je vais jouer à Mario sur la télé. Ouais, je lui prête. Je la laisse jouer à ma Switch, à Mario. Parce que moi j'ai pas réussi à saquer la dame. T'as pas passé le boss numéro 2, mais t'as passé le boss numéro 1 déjà, c'est bien. Le petit vert, parce que le petit vert il est pas fort. Attends mon cœur. Et du coup voilà, donc moi je vais jouer, Kaëlle elle va jouer en attendant si jouer. Et quand j'aurai terminé, je vous laisserai un petit peu la place. Et moi avant qu'Aaron se réveille, je pense que je vais faire le tri dans un de mes placards de cuisine. Juste un. Et puis voilà, après on verra. Peut-être je ferai un peu de coloriage ou je sais pas, on fera du coloriage. Ouais, on verra. On verra tout à l'heure face. On se retrouve une heure plus tard. J'ai joué une heure, j'ai été raisonnable, j'ai laissé la place à Kaëlla. Je vais, comme je vous l'ai dit, faire juste un placard de ma cuisine. Après, je pense que je vais aller me poser, mais voilà, c'est histoire d'avancer petit à petit. Je vais vous montrer avant et le après en fait. Alors, c'est pas trop le bazar, c'est quand même rangé à peu près parce que j'ai rangé il n'y a pas très longtemps. Mais c'est surtout voir réellement ce que j'utilise, voir s'il n'y a pas des épices qui sont périmées ou des trucs qui sont terminés. Ou voilà. Donc je vais puis passer un coup aussi dans les tiroirs tant qu'à faire, passer un coup sur les placards plutôt. Donc voilà, je vais faire ça, puis je vous montrerai après, je pense pas qu'il y aura une énorme différence, mais voilà. Et voici là après, donc c'est quand même pas mal mieux, je sais pas si vous verrez. De ce côté j'ai mis tout ce qui est huile, vinaigre et tout ça, derrière il y aura de l'huile normale mais là j'en ai plus. Dans cette petite boîte, voilà, c'est temporaire, j'achèterai des boîtes de rangement transparente, ça sera beaucoup mieux. J'ai récupéré une glossy box pour mettre tout ce qui est épices. Là c'est tout ce qui est fond de veau bouillant et là c'est tout ce qui est tasse et mug. Comme vous le verrez il y a pas mal de Disney. Et en fait j'ai changé, j'ai mis celle qui était derrière devant histoire de les changer parce que je prends toujours les premières que j'attrape, je me casse pas la tête à chercher au fond. Et en haut, en fait, j'ai juste laissé les verres et les bols. Et puis j'ai enlevé tout le reste. Je trouve ça beaucoup mieux. Beaucoup plus clair, clairement. J'ai juste gardé une tasse ici. Je vais la montrer. J'ai juste gardé cette tasse-là. Qui était derrière en haut, en fait. Parce que je la trouve hyper jolie, hyper originale et hyper grande. Elle fait la taille de ma main. Elle est vraiment... immense à côté des autres tasses parce que c'est un souvenir de quand j'étais partie en Angleterre. Alors il y a celle-ci aussi qui vient de Londres quand j'étais allée en Angleterre, mais celle-ci voilà, j'aimais bien la forme, je la trouve hyper jolie, du coup je l'ai gardée. Et par contre voilà, j'avais une tasse de la Costa Brava et une tasse de Port Ventura que j'ai mis dans les affaires à vendre, même si voilà, ça me fait un petit pincement au cœur d'en séparer, mais clairement c'est des tasses que j'utilise pas parce que j'en ai des beaucoup plus jolies. Et puis voilà, je me dis ça sert à rien, j'en ai déjà beaucoup des tasses et je pense que je vais toujours en acheter, donc voilà, j'ai décidé de m'en séparer. Voilà pour ce qui est de ce placard là. Et je devais m'arrêter mais finalement je vais faire un placard de plus, celui-ci. C'est un peu le fourre-tout ou n'importe quoi. Alors en haut c'est rangé, c'est tout ce qu'il y a du mixeur et mon bicarbonate de soude. Mais en bas c'est pas du tout rangé, donc je vais faire ça et puis j'arrête.
Et voilà le résultat. Donc bon, il y a toujours pas mal de trucs dans ce placard, mais au moins c'est bien organisé. Donc là il y a les biberons, là il y a la grenadine, et derrière il y a les boîtes du père, du petit, mais je m'en sers quasiment pas. Mais pour l'instant je les garde encore. Ça c'est ma tasse et toutes les gourdes de Kayla. Le chocolat chaud, quelques boîtes encore pour les snacks, des tasses pour les cafés mais un peu plus grandes, et les deux tasses pour les enfants. Donc là c'est les tasses à café, je les ai mis dans le coin parce qu'en fait c'est ce qu'on utilise le moins. On utilise que quand il y a du monde, donc je suis plutôt contente de moi. Ça a été vraiment assez rapide et j'ai fait 3 placards, donc c'est plutôt cool. Là-haut, comme je vous l'ai dit, j'ai tout nettoyé et tout rangé récemment, donc c'est parfait. Voilà. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, j'ai un peu avancé aujourd'hui, je suis contente. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement les placards de cuisine, comme ça vous me direz. Bon, il y a encore du boulot, hein, mais voilà. Ici, le tiroir, je ne l'ai pas fait, donc... Voilà l'étendue du bazar, comme ça je le ferai un autre jour, je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Ça je l'ai fait récemment, donc ça va, c'est à peu près rangé. Bon, les assiettes ne sont pas toutes droites et tout, mais voilà, c'est rangé, c'est propre. Là-haut, c'est tout ce qui est pâtisserie, donc c'est rangé aussi. Là, donc je vous ai déjà montré. Et voilà, ici. Bon, il y a juste là qu'il faut que je range les boîtes et que j'enlève les assiettes des bébés. Mais voilà, sinon c'est plutôt rangé. Et donc il me manque le dessous de l'évier qui n'est pas au top de sa forme, le tiroir à couvert et surtout, et celui qui me fait le plus peur, c'est mon placard à pâtisserie. Parce que j'ai tous mes ustensiles de pâte à sucre et du coup c'est vraiment le bazar. Et le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose que je peux virer parce que j'ai besoin de tout. Enfin, on a besoin de beaucoup d'ustensiles quand on fait la pâtisserie pour un peu tout faire justement et du coup... voilà, mais je vais quand même mettre un coup d'ordre, mais pas aujourd'hui, un autre jour, ça me prendra une journée tout seul. Voilà, il manque encore ce placard là et ma bibliothèque aussi qu'il faut que je range. Voilà, mais je suis contente, j'ai bien avancé, en bas c'est fait. Petit à petit, je vais arriver au bout de la maison. Là aussi j'ai rangé, je sais plus si je vous l'avais dit du coup, j'avais fait l'étagère ici et le haut du meuble là-bas. Voilà, histoire que ça soit un peu plus aéré. Je vais aller me mettre un petit peu sur l'ordi je pense. Je vais ranger sur mon ordi. Mais bon, je vais regarder quelques vidéos YouTube. Puis après, je vais peut-être lancer une machine. Faire rien d'extraordinaire. Je vous montrerai si je fais autre chose avec les petits. Peut-être qu'on va jouer avec Kayla. On verra. Voilà, à tout à l'heure. Coucou les amis, on se retrouve. Il est 6h30. J'attaque le repas parce que vous savez, Aaron mange tôt et se couche tôt. Donc voilà, il faut pas que je tarde. Même si j'essaie de tenir compte de la nouvelle heure du coup. Donc ce soir ça va être très simple pour les enfants, c'est du potage. Donc courge, butternut, patate douce et carotte, c'est celui de chez Picard. Et derrière il y a quasiment que des légumes, il n'y a pas de mauvais trucs, quoi. Il n'y a pas d'additifs et tout ça. Je vais dire exactement ce qu'il y a. Il y a 31% d'eau courge, butternut, il y a 19% de patate douce, il y a 8% de carotte. Voilà, on va dire que c'est plutôt clean. Et voilà, quand on n'a pas le temps, c'est plutôt pratique. Et pour le chéri et moi, ça sera frites et steak. Mais on mangera plus tard que quand les enfants... Quand Aaron, en tout cas, sera couché. Et Kayla, maman, elle reste avec nous ce soir. En tout cas, elle se couche plus tard. Parce qu'on va regarder un documentaire sur la 6 de Disney. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai eu deux yaourts? Voilà. On a fini le repas, quasiment. Il n'a plus? Mais t'es dedans, tu l'as mangé vite, hein. Il en reste un petit peu? Il en reste un petit peu, oui. Va à la cuillère, pas avec le doigt. Voilà. Faut tourner le yaourt, Aaron. Voilà, tu le tiens et tu manges. Très bien. Ouais, ils ont mangé la soupe. Alors, Aaron, au début, ça a été compliqué. Et puis, j'ai eu l'appui de papa et puis ça allait mieux. Il a mangé, il a fait un effort. C'était bien. Ils ont mangé tous les deux leur soupe. Pourquoi j'ai deux yaourts? Parce que t'avais très faim. Donc, du coup, t'as eu droit à une compote plus ton yaourt. Voilà, on finit de faire manger les enfants, puis après ça va être un autre tour. Je commence à avoir faim aussi.